Attention, le voilà. On va se cacher, vite. Boo, tu es là? Je me demande vraiment où il est. Hé, hey, oh, Boule, où es-tu? Oh, il doit être en bas. Boule! Boum! C'est pas drôle. C'est pas drôle. Bien joué, maman. Il est l'heure d'aller au lit. Arrête, Bill. Allez, arrêtez vos singeries maintenant si vous voulez dormir ensemble. Désolée, chérie, mais pas ce soir. Boule, vous avez chahuté toute la nuit dernière. On vous a entendu. Une autre nuit comme ça et demain, tu dormiras debout. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Allez, maman, on sera très sage, c'est promis. Et demain, tu vas voir, je serai tellement en forme que je rangerai ma chambre. S'il te plaît, maman, dis oui. Bon, allez, c'est d'accord. Youpi, trop bien. Par contre, Bill restera au pied du lit, c'est entendu? Il faut absolument que tu dormes bien. Bonne nuit. Et pas de chahut, compris? Bonne nuit. Bonne nuit, maman, bonne nuit, papa. J'y crois pas. Pourtant, il y a plein de place sur le lit. Bonne nuit, Bill. Bonne nuit. Descends. Bill. Le traître. Bon, d'accord. Mais on a promis de bien dormir, hein? Mais qu'est-ce que t'as cette nuit? Je sais. Un os. Boule, c'est l'heure du petit déjeuner. Eh ben, j'ai dormi comme un chiot, moi. Bonjour, Bill. Bonjour, Caro. Mais il est où, Boule? Eh oh, Boule. Oh oh. Toi, je sais pas de quoi t'as rêvé, mais ça devait être sportif. Attention, le mur. Attention, les escaliers. Merci, Bill. Mais si maman voit que je suis fatiguée, on ne pourra plus jamais dormir ensemble. Petit déj. C'est par là. Oups, je me suis trompée. Bonjour, Boule. Bonjour, mon chéri. Bonjour. Alors, tu as passé une bonne nuit avec Bill? Hein? Oui, ça s'est super bien passé. On a trop bien dormi. Il est vide. Heureusement. Je monte me préparer, mais n'oublie pas ta promesse d'hier soir. Tes céréales sont à côté de l'évier. Oh oh, c'est la cata. C'est mes croquettes, ça. Bill, vite. Déjà fini? Bon, tu vas pouvoir aller ranger ta chambre maintenant. Ranger ma chambre? Heureusement qu'on a bien dormi, nous. Boule va avoir bien besoin de nous aujourd'hui. Ne pas s'endormir. Ne pas s'endormir. Je suis trop fatiguée. Il faut le réveiller. Eh oh, Boule, réveille-toi. On n'a pas le choix. On va ranger la chambre sans lui. Rah.
attention, voilà maman. Hein? Il est quelle heure là? Dis donc, c'est vrai que tu m'as l'air en pleine forme ce matin. Je ne te connaissais pas si perfectionniste. Oh, désolée, je n'ai pas eu le temps de ranger. Mais qu'est-ce que... Merci les copains. Et toi, n'oublie pas que tu as promis à Madame Stig de t'occuper de sa maison en son absence. Oh, oh non! J'ai nourri Caporal, mais j'ai oublié d'arroser les plantes. Et je n'ai plus le temps, là. J'ai un rendez-vous au travail. Oh non, ne me regarde pas comme ça. Non, ma chérie. Boule, est-ce que tu peux t'en occuper? Oui, pas de problème. Merci, mon chéri, et bravo pour ta chambre. Oh non. Boule. Oh non. Bonne chance avec Caporal. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Rien qui me fasse plaisir, on sera vite parti, t'inquiète. On a une dure journée. Ah ben oui, il dort à point fermé là. Allez, si on l'aidait à se réveiller. Caporal, espèce de gros rat d'égout. Toi, t'as pas d'humour. Tu sais comment faire, toi? Pas avec de l'eau? Super! Et quand tu auras fini, tu pourras aussi tondre la pelouse et nettoyer le bassin. Hé! Hey, non, ça c'est mon eau, Bill! Pas de touche! Sinon quoi, tu vas me miauler dessus? Ça m'a fait du bien, cette petite sieste. Hein? Mais qu'est-ce que je fais ici? Ah oui, les plantes de Madame Stig. Ah, allez. Quoi? Merci, Bill. Heureusement que t'es là. Merci beaucoup, madame. Je viendrai chercher mon colis dès que possible. Salut, papa. Tu tombes bien, j'ai une mission pour toi. Tu peux foncer en ville pour récupérer un colis? C'est super urgent. D'accord. C'est pour le travail. Oh non, Bill, je suis beaucoup trop fatiguée pour aller chercher ce colis. Tu peux y aller à ma place? J'ai tellement mal dormi. Ah bon? Et en plus, c'est super urgent. Bon, d'accord, je vais y aller. En attendant, je vais me détendre un peu. Oh, je suis tellement fatiguée, Caro. Ah, Boule va mieux, on dirait. Super. Oh là là, Bill, tu te rends pas compte comme je suis fatiguée. Hein? Il fait semblant ou quoi? Merci, Bill. Sans ton aide, j'y serais jamais arrivée. Mais oui, bien sûr. Oups. Merci, Bill. Wow! Tu as mangé du lion aujourd'hui. Mission accomplie. Merci, fiston. Oh, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Par contre, ça m'a donné faim. Je peux prendre une glace? Oui, évidemment, tu l'as bien mérité. Youpi! Hein? T'as vu, Bill? Ça y est,
j'ai plus sommeil. Bon, d'accord, c'est vrai que j'ai un tout petit peu exagéré. Comment je peux me faire pardonner? Je ferai tout ce que tu veux. Bon, d'accord. Mais t'as tout mangé? Ah, la petite pointe, c'est ce que je préfère. Merci, Boule. Ne le remercie pas, toi aussi t'as travaillé. On est réconciliés? Dans tes rêves. Je peux m'asseoir à côté de vous? Allez, viens. J'arrive. Oui, ça fait du bien. Oui, là, un peu plus à gauche. Tu crois pas que t'abuses un peu, là, Bill? Tel chien, tel maître. Vous avez été top aujourd'hui, tous les deux. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez à nouveau dormir ensemble ce soir. Maman a raison. Il ne faut pas abuser des bonnes choses, hein, Bill? Voilà, bâtonnet de poisson, tout spécialement en l'honneur de Pouf. Ta maman devrait aller à des conférences plus souvent. Tu crois qu'il y aura des restes pour nous? Miam. C'est trop cool que tu dormes ici cette nuit. On va pouvoir se raconter plein d'histoires qui font peur. J'adore. En plus, c'est la pleine lune ce soir. C'est le meilleur moment pour se raconter des histoires de fantômes. T'es sûr? Filet de poisson, un peu de chapelure, du persil, du thym, un zeste de citron. Délicieux. La conférence de ta maman, c'est sur quoi déjà? C'est sur la biodynamie. Oh, ça doit être très intéressant. Hein. C'est un truc qui fait peur, ça aussi? Vous savez ce que c'est, vous? Eh bien, oui, bien sûr, mais... C'est difficile à expliquer. Ma maman m'a expliqué. C'est une science qui étudie les rythmes de la nature. Par exemple, les nuits de pleine lune, notre système digestif est plus efficace et les plantes poussent plus vite. C'est vrai? Oui, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, bien sûr. La biodynamite? N'importe quoi. Des bâtonnets. Ça, c'est très intéressant. Écoutez, manger moins en période de pleine lune aurait des bienfaits incroyables sur le corps humain. Pas de bâtonnets de poisson. Ce soir, c'est salade verte. C'est pas tous les jours la pleine lune. Nous allons tous manger léger ce soir. Je crois qu'on n'aura pas de reste. Connaissez-vous l'histoire du fantôme de la lune? Il est blanc, avec quatre longs bras. Toutes les nuits, il emmène des terriens sur la lune et les oblige à travailler pour l'allumer. C'est pour ça qu'elle brille. Arrête, Bill. C'est malin. Maintenant, je vais faire des cauchemars. Moi, en tout cas, j'ai pas eu peur du tout. Moi. Bon, d'accord, j'ai eu un tout petit peu peur. Oh, je vais me coucher. Bonne nuit. Oui, à demain. Hey, mais arrête. Pas drôle. Tu crois qu'il va venir, le fantôme? Mais non, Caro, Boule faisait juste une blague. Les fantômes, ça n'existe pas. Et encore moins ceux qui viennent de la lune.
lune, c'est qu'une croquette géante qui flotte dans le ciel, tout le monde le sait. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête. Si tu continues de me regarder comme ça, je vais te croquer. Les fantômes n'existent pas, mais il y a quand même des bruits bizarres là. Kao? Bonjour Bill, t'as bien dormi? J'ai entendu du bruit là-haut. Tu crois que c'est le fantôme? Oh, mais non. Et dis, je me demandais, si la lune c'est une croquette géante, pourquoi est-ce qu'un chien de l'espace ne l'a pas déjà mangée? Je vais t'attendre sur cette marche. Elle a l'air super confortable. Broussarde. Même pas vrai. Ouf, y a personne. Attends-moi, j'arrive. La marche est pas si confortable que ça en fait. Chut. Oh. Coucher, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Ok, j'ai compris. Je t'ouvre la porte du jardin. Mais tu devrais y penser avant d'aller te coucher, Bill. On aurait dû se douter que c'était lui. Et boire autant avant d'aller se coucher, c'est pas une bonne idée. Bah oui, et puis les fantômes, ça fait pas pipi. Boule, s'il te plaît, il est l'heure de dormir. Oui. Allez, on y va. Bill, c'est toi? Bah non, nous, on est là. Ah, mais si vous êtes là, qui est-ce qui fait ce bruit? C'est Pouf. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, Pouf est somnambule. Il essaye de sucer son pouce. Allez, vous deux, retournez au lit. Bon, d'accord, j'ai compris. Mais d'abord, je vais remettre Pouf dans son lit. Je les veux, ces bâtonnets de poisson. Je les veux. C'était quoi ça? On dirait la fenêtre du salon. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Broussard. Non, même pas vrai. À moi les bâtonnets. Y'a personne en bas. Viens. C'était juste un coup de vent en fait. Oui, ça doit être le vent. D'ailleurs, j'ai un peu froid. C'est normal, la porte-fenêtre est... Oh, entrouverte. Caro, attends. Regarde. Il y a quelqu'un dehors. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Il a ouvert la porte-fenêtre exprès pour qu'on passe par là. Pour mieux pouvoir nous attraper. Oh là là, c'est vraiment un malin ce fantôme. Heureusement, Boule est encore plus malin. Là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est le fantôme. Mais je croyais que ça n'existait pas, les fantômes. Moi aussi, jusqu'à maintenant. Maman? Ensuite, faire deux tours à cloche-pied autour de chaque plante en veillant à toujours rester dos à la lune. Mais à quoi elle joue? Heureusement que personne ne me voit faire ça. Oh! Et qui est là? On a entendu du bruit. Vous m'avez... vous m'avez vu?
Oh, je voulais juste vérifier si ça marchait ou pas, ces histoires de biodynamie. Et alors, ça marche? Ça, on le saura plus tard. La pleine lune, ça rend les humains complètement zinzin. Tu peux parler, toi. Nous aussi, ça nous a rendu ouf. Oh, alors chat. Oh, allez, au dodo. Oh. Oh non, c'est pas possible. Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Oh, Bill, dis-moi. Oh. Papa? C'est pas le fantôme. Est-ce que tout va bien, mon chéri? Oui, oui, je voulais juste vérifier que le frigo était bien fermé. Tu as un bâtonnet de poisson sur l'oreille. Et du coup, je croyais que quelqu'un rôdait dans le couloir. Mais en fait, c'était Pouf. Vous vous rendez compte? Il est somnambule. On voit rien là-dedans. Oh. Je les aurais vraiment mérités, ces bâtonnets de... Oh, c'est trop drôle, non? Cette fois, c'est sûr, c'est le fantôme. Je crois que ça vient du grenier. Va voir, papa. Oui, très bien, je vais aller voir. C'est Caporal le fantôme. Vous pouvez faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? J'essaie de dormir, moi. Oh là là, la pleine lune, ça a vraiment un drôle d'effet sur tout le monde. Bon, allez, il est vraiment tard. Tout le monde au lit. Ouais. Moi, les bâtonnets de poisson. Y a quelqu'un? Au secours! Je suis coincé! Merci bien, Caroline. C'est une très bonne action de ramasser toutes les bocs de châtaignes, car elles ont des piquants qui peuvent faire très mal. Surtout si quelqu'un s'assoit dessus, t'imagines? Merci. Je comprends pas. Comment tu fais, toi, pour pas te piquer? Oh, j'ai une carapace et une peau très, très épaisse. Ah, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais oui, je sais comment je vais faire. Oh, bravo, Bill. Ça, c'est très ingénieux. Ah, Bill le débile. Toujours en train de jouer avec un bâton. Bill, Caro, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Un couple de mésanges vient d'avoir des petits... Des bébés mésanges? Oh. Venez. Allons voir ça de plus près. Accroche-toi bien, Caro. Salut, les petits nouveaux. Oh, ils sont trop mignons. Allez, à plus, les amis. Oh.
Et voilà, terminé. Vous m'avez bien aidé. Merci. Caporal! Alors comme ça, tu veux croquer des pauvres petits oisillons sans défense? Youpi, j'ai volé dans les airs. Mais mes anges, je te remercie beaucoup, Bill. Tu as été trop génial. Ouais, mais tel que je connais Caporal, il va revenir. Salut, Bill, ça baigne. Vous tombez bien, les copains. J'ai besoin de vous. Oh, elle porte des tongs maintenant, Madame Stick. Hé, hey, mais c'est encore de la triche. T'as compris, Pluche? Ouais, t'inquiète. Bien, il n'y a plus qu'à mettre en place le plan B. Ah, ce gros Nico de Pluche, ça va être un jeu d'enfant de me débarrasser de lui. Ah ben voilà, c'était exactement ce qu'il me fallait. Alerte rouge! Ah ben non, c'est moi qui ai faim. Et un sandwich! Non, pas bien, je dois pas bouger d'ici. Oh, et puis zut à la fin. Ben, où est-ce qu'il est passé? Ah, le voilà! Quoi? Mais c'est qui se moque de moi, ce sandwich? Là, on va bien rigoler. Hé, le chien, plus un geste. Tu mets tes pattes sur la tête. T'es en état d'arrestation pour vagabondage. Bye bye, Pluche, mes amitiés à la fourrière. Personne à la ronde, ces oisillons sont tous à moi. Eh ben j'ai eu chaud. Oh, ça fait... Bien joué, les amis. Tu l'as dit? Mais t'étais où, toi? On a transformé Caporal en hérisson. Le problème, c'est que Caporal va revenir. Alors on fait quoi, maintenant? Oh, je sais pas, moi. On demande à Poule de nous aider. Super idée, Caro. Vous deux, vous restez ici pour surveiller les oisillons. Youhou! Faites attention, les amis. Évidemment, vous avez pas arrêté de tricher. Regardez, derrière vous, il y a Bill et Caro qui arrivent. Arrête, je te crois pas, ça prend plus vos embrouilles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, Bill? Tu veux me montrer quelque chose? Un chat? Tu imites un chat? Avec des petits oisillons. J'ai compris. Il y a un chat qui veut les manger. Et je parie que ce vilain chat, c'est Caporal. Alors, je sais ce qu'on va faire. Mais j'ai besoin de temps. Donc, en attendant, vous empêchez Caporal d'approcher, d'accord?
Où est-ce que tu es encore allé te fourrer, espèce de nouille? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es endormi? Ouais, et d'ailleurs, c'était super cool. Je rêvais que je traversais une forêt où les arbres, c'était des cuisses de poulet. Ah, c'est pas vrai, où est-ce que j'ai mis ce truc? Je l'ai trouvé. Je vais aller croquer ces petits oisillons et personne ne pourra m'en empêcher. Personne. Une souris. Alors ça, c'est vraiment parfait. Ça fera un excellent hors-d'œuvre. Opération diversion, phase 1. C'est parti. Il commence à m'énerver, cette souris de malheur. Caro, amène la souris le plus loin possible du parc. Reste 5 sur 5. C'est pas une vraie souris, ça. J'y crois pas, je me suis fait avoir. Bon appétit, caporal. Évite de manger les piles, quand même. Opération diversion, phase 2. On a presque terminé. Je me sens pas bien du tout. Je crois que ça irait mieux quand j'aurais mangé ces oisillons. On dirait que la voie est libre, mais méfiance tout de même. Peut-être que c'est un piège. Non, c'est bon, il n'y a personne. Allons-y. Quoi? T'arrives trop tard, caporal. Regarde plutôt par là. Génial. Les oisillons vont pouvoir dormir tranquilles là-haut. Bon, bah voilà, t'as plus qu'à redescendre maintenant. Comme ça, on pourra jouer à chat. Très drôle. À toi de jouer, Robin. Ouh là là, je sens que la nuit de caporal va être très longue. Oh oui, elle va être très très longue.